ensemble. Bon, là j'ai tellement rien mangé de la journée que j'ai commandé plein de trucs. Des sushis, plein de trucs. Attendez, laissez-moi juste boire un petit peu ma soupe miso. Bismillah. Elle est chaude, elle est très très bonne cette soupe miso. Je vous montre tout ce que j'ai pris, ok? J'ai pris une petite salade, une salade de choux. Mon sushi préféré. Comme ça avec l'avocat. Une bouchée pour vous. Mon sushi préféré sans algues. En fait, c'est comme le tartare riz thon mayo. C'est exactement la même chose dedans. Wow. Très très bon. Un grec, celui-là, il fait vraiment partie des meilleurs grecs. Très très bon avec un peu de frites. Et un dessert à la banane. Bon, c'est quoi le thème aujourd'hui, la petite top? C'est quoi tes conseils pour les gens tristes? Oh non, ça se fait pas dire ça. Pourquoi t'es triste? Alhamdulillah, tout va bien, non? On est tous tristes ou quoi? Du coup, le remède pour la tristesse, c'est écouter le Coran. Et quoi d'autre? C'est pour ça que t'écoutes tous les jours, Hanti? T'es triste ou quoi? Dis-moi. Je vais dire la même chose que ma mère me fait. Ma mère, quand elle me voit au téléphone, elle me dit, est-ce qu'elle a un problème? Dis-moi si quelqu'un menace. Tu crois que je me fais menacer? Dis-moi si quelqu'un menace. Ah, j'ai peur de personne, hein? J'ai peur de personne. C'est dingue. Bah là, je te dis la même chose. T'as un problème? Quelqu'un te menace? Il est pas né. Elle ou il n'est pas né, celle qui va te menacer. C'est quoi ton problème? Non, parce que là, ma mère vient de me donner un indice. Je viens de lui demander quelle solution pour les gens tristes. Elle me dit écouter du Coran. Et ma mère écoute du Coran tout le temps. Donc, t'es triste? C'est quoi ton autre conseil? Manger aussi, ça fait plaisir. Ah, par contre, c'est vraiment trop bon. Ça fait plaisir des plaisirs mondains. Ça fait partie des plaisirs mondains. Oui. La nourriture. Dieu nous a donné une faculté incroyable qui est le goût. C'est incroyable le goût. Ressentir plusieurs saveurs comme ça. Rien n'est semblable en goût. Comme là, par exemple, il n'y a que trois trucs. Les trois trucs n'ont pas le même goût. Et les trois trucs sont intéressants gustativement. Rien n'est semblable. Et là, quatrième truc, la sauce. Et pourtant, tout se marie. Très bon. Mesdames, c'est pour toi que j'ai pris la dinde. Moi, je mange pas de banane. Hein. Ouais, mais c'est pour toi que j'ai pris. Je sais que t'aimes bien les trucs comme ça. Ma mère, elle mange un grec. Pas de soucis parce qu'elle n'aime pas les soucis. La puce révélateur. T'aimes pas les soucis et les sushis. Ah non, j'ai coupé au mauvais moment. Et quand j'ai dit les soucis et les sushis, et ma mère a dit et les secrets. T'aimes pas les secrets? Qui t'a fait un secret? Qui a fait des secrets sur ton dos? Qui a fait des secrets sur ton dos, le petit dame? Manger les fées. Qui a fait des secrets? Secrets. Très bonne. Bon. J'aime trop les grecs. Je me lasse jamais des grecs. C'est tellement bon. Moi, j'ai vécu à l'époque où les grecs étaient à 5 euros. C'est la honte. Ça veut dire qu'on est vieux. Parce que Kaline Bzefness, ils savent pas qu'avant le grec était à 5 euros. Il y a des gens qui sont nés après 5 euros, les grecs. 5 euros. Moi, je me rappelle de quand j'étais petite, les grecs étaient à 5 euros. Quand je sortais du collège et tout, on allait acheter des grecs à 5 euros. Tous les grecs. Partout où t'allais, les grecs étaient à 5 euros. Genre, formule tout, hein. Boissons, frites, tout. Tu veux scanner un euro, c'est qui? C'est vrai, le bus aussi, ouais. Ticket de bus. J'achetais jamais de ticket, j'avais tout le temps peur que les contrôleurs montent. Pourquoi la ADEP, quand j'allais au lycée, j'achetais jamais de ticket? Pourquoi? Prends le bus. Tu vas où? Bah pour aller au lycée. Non, ma plus j'étais Michel Pienne, que peut-être prenais le bus. Oui, c'était à deux arrêts, mais je prenais quand même le bus. Au lycée, je prenais le bus. J'aimais pas y aller à pied. Je suis belle quand je te salais les feuilles. Non, regarde.
En vrai, j'en ai. Je ne me trouvais pas belle quand j'ai fait ça. J'ai dit ça pour vous faire rire. Je n'ai pas à me siffler. Oui, bisous.